Yo tout le monde, c'est Génio et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Pokémon version Noir 2 en Arena Reset Challenge. Et donc, après avoir fait une petite pause au Pokéwood, on va pouvoir reprendre tranquillement notre aventure. On avait obtenu également le deuxième badge de notre aventure et du coup, on était reparti à zéro avec uniquement notre Vipélière. Voilà, on avait combattu l'arène justement d'Ombre sur Mer juste ici. Et, voilà, j'allais dire, je cherche un petit peu ce qu'il faut faire. Il me semble qu'il faut aller vers le port. Il semblerait que ce soit ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes qui? La Team Plasma? Eh oui, la Team Plasma, de retour après 2 ans pour prendre sa revanche. Après avoir été trahi par notre roi, le soi-disant héros, on a échoué dans notre conquête d'Unice, mais nous n'abandonnons pas, jamais. Et nous sommes de retour avec un vilain tour de plus dans notre sac. Mais vous allez la fermer! Bande de sales voleurs, escrocs! Vous faisiez semblant de libérer les Pokémon! Je vais vous exploser la tronche! Ah, Orange, on se fait courser par un Ponchio. Ici, on se fait insulter, charmant. On n'a qu'à embarquer leurs Pokémon. Mesdames et messieurs, quand vous serez prêts, nous pourrons vous administrer votre correction. Allez, on va les affronter! Vos nouveaux plans, là, ils vont partir à la poubelle et vous avec! Quand j'en aurai fini avec vous, votre boss pourra plus vous reconnaître. Et oh, doucement la baston là, hein. Tu crois pouvoir gagner? Oui! Laisse-moi rire, ton équipe, je vais l'utiliser pour la conquête du monde. Ok! Et donc, la Team Plasma du coup, effectivement, qu'on avait recroisé dans... dans le ranch. Et donc, effectivement, 2 ans après, ils sont bien décidés à se remettre un petit peu, à réorganiser l'organisation, justement. Ok. Alors du coup, nous, on n'est plus que avec notre Vipélière. Donc faut quand même qu'on fasse gaffe, parce que j'ai plus qu'un seul Pokémon. Je pense qu'on va partir sur du ligotage. Voilà, pour lui faire des petits dégâts constants. Et puis après, je pense qu'avec Fouillian, ça va marcher plutôt bien derrière. Hop, allez, let's go. Normalement... C'est stabé, ça le ferait... Oh, bah d'accord, il y a eu un coup critique, j'allais dire, normalement, ça aurait pas dû faire autant de dégâts. Mais un petit coup critique qui est venu pour confirmer qu'on allait gagner. Moi, ça me va. Ah, ces gamins nous mettent une raclée, je m'y attendais pas. Courage, fuyons. Voilà, et mon poussé, là. Ah, les sales losers. Ah, un split, prenez la route 20. Ok. Ah... Si on avait perdu, ils nous auraient embarqué nos Pokémon. Si merde les petits, tenez pour vous. Ah, la CS1 coupe, parfait. La petite CS. Ah, c'est une CS avec coupe dedans. C'est utile même en dehors des combats, ça permet de couper les petits arbres sur le chemin. Bon, on va leur faire la fête à la Team Plasma. Ils sont sur la route 20, séparons-nous pour mieux les chercher. Ok, let's go, let's go, let's go, let's go. Je me rappelle plus c'est laquelle, la route 20, mais ils sont tous partis par là. Bon, ça doit pas être par là. Hop, ils sont repartis, en fait, de l'autre côté de la route, en fait. C'est par ici, la route 20, ou pas? Est-ce que c'est par ici? La route 20... Oui, c'est par ici. Ah, on avait pris notre revanche contre elle, justement. Parfait. Alors, est-ce qu'ils sont par là? Mathis est là, déjà. Ah, attends, vas-y, on va lui parler. Toi aussi, cherche sur la route 20. Ok. Ça marche. Mais là, il y a le ranch, là. Non, c'est pas le ranch. Ok. Où est-ce qu'il faut qu'on aille? Elle est pas grande, la route 20, en même temps. Ah, là! Je déteste les gens entre collins. Parfait. On l'a trouvé. Ok, bon, ils étaient 3, hein, à la base. Ok, bon, elle a qu'un seul Pokémon, donc ça va. Moi, ça m'arrange. Ça m'arrange plutôt. Ok, Chakripan. Petit Chakripan. Bon, au final, je suis pas sûr que faire ligotage, ce soit une bonne idée, parce que Fouillian fait quand même beaucoup plus de dégâts. Bon, on a fait un coup critique, hein, mais effectivement... Au final, je préfère faire un coup de Fouillian de plus que d'avoir fait un ligotage avant.
Donc, on va rester sur du Fuelian. Allez, et ce serait bien que j'apprenne une attaque un peu plus puissante avec Vipélière. Histoire que on puisse faire un peu de dégâts quand même et se servir de Vipélière. Parce que pour l'instant, c'est vrai qu'au final, on s'en est pas beaucoup servi. Un petit peu pour la première arène. Mais après... Ah bah voilà! Quand on parle d'une nouvelle attaque, Phytomixer, qui est du coup l'attaque un peu emblématique de Vipélière. Ok, 65, 90. De toute façon, je pense qu'on va pouvoir enlever... En vrai, je peux enlever Ligotage. Gros yeux. Gros yeux, ça peut être utile de baisser la défense. Ligotage, bon voilà. On a vu qu'on faisait plus mal en faisant des dégâts de type plante. Donc on va rester avec nos attaques de type plante. Très bien! C'est parfait. C'est parfait. En y réfléchissant bien, il n'y a personne pour m'aider par ici. Ma seule solution, la mer et... Bref, la fuite, la solution à tout. Adieu, onde sur mer. Ok. Ah, Matisse arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, la fuite, c'est pas leur entraînement spécial à ces losers. Mais bon, on sait qu'ils ont un bateau quelque part. Vu que le plus gros port du coin, c'est Velucité, il faudrait chercher par là. Rentrons en sur mer, il faut trouver un endroit où embarquer. Ok. On va aller en sur mer. Ah, par contre, je vais essayer d'esquiver les herbes parce que... Au cas où, il y a un Pokémon que j'ai pas encore... Si c'est un Pokémon que j'ai pas encore croisé... Ah, ça va, un Poichijon, j'en ai déjà eu un. J'allais dire, sinon, je suis obligé de l'attraper. Mais, du coup, vu que j'ai déjà eu un Poichijon, on va le laisser tranquille, parce que dans cette zone-là, du coup, les Pokémon sont vraiment assez faibles en niveau par rapport à ce que nous, on a déjà croisé. Tiens, je vais esquiver les herbes en passant juste là. Et on va revenir à Onde-sur-Mer. Du coup, il nous a dit... Et il faut un endroit pour aller à Volucité. Il nous a parlé, du coup, de la prochaine ville. Volucité. Bon, il a pas dit que c'était la prochaine ville, mais il a dit qu'en gros, ils avaient certainement... quelque chose à Volucité, et il a parlé d'un port. Ah. T'étais pas mal dans ton film, tu sais. Oh, tu l'as vu. Ah, ce film. Mais je n'ai pas été retenu pour jouer Rioluman, en fin de compte. Ma prestation n'a pas enthousiasmé les foules, apparemment. Eh, te laisse pas abattre. Tu essaieras encore une fois en continuant ton métier de capitaine. Si tu fais ton boulot sérieusement, tu es libre de faire ce que tu veux à côté. Et puis, t'es sûr de savoir ce que pensent les gens du Pokéwood? Ah, tu les as vus. La Team Plasma s'est fait la malle, on dirait. Je respire pas complètement, mais ça fait du bien de voir qu'ils ont disparu. Bon, les choses ont été un peu rock'n'roll, mais tu peux prendre le bateau maintenant. Ah, bah c'est parfait, ça. Bien, je vais persévérer dans mon métier actuel. Les foules seront dans tous leurs états avec le roulis des vagues furieuses. Est-ce que justement c'est pas lui qui va nous permettre de prendre le bateau? On va aller voir parce que cette maison là est un petit peu spéciale. Ah bah il y a Matisse juste ici. Ah, tu vas à Volucité? Bah ouais, du coup. Je vais retrouver la Team Plasma et leur botter le train à ces sales types. Allez, capitaine, montrez-nous ce bateau dont vous êtes si fier. Entendu, si vous voulez bien me suivre. Ah, parfait. C'est parti, direction Volucité. Oh là là. Effectivement, Volucité, c'est une grande ville. La capitale du Nice, avec des grands, grands immeubles. Très sympa. Ah, parfait. Bienvenue à Volucité. Nous espérons que vous avez fait un voyage agréable, une agréable traversée en notre compagnie. Alors, c'est ça, Volucité, c'est encore plus grand que je le pensais. Mais on s'en fiche, la Team Plasma peut se cacher où elle veut, elle m'échappera pas. Génial, au fait, faut qu'on s'enregistre dans le Vokit, sinon on se retrouvera pas, c'est plus pavonné ici. Ah, on a Matisse, ok. Quel drôle de bateau, un voilier de nos jours. Ils ont un bateau, tu vois un drôle de bateau et tu captes pas, non? Parce que ça me semble quand même un bateau assez spécial. Et vu que la Team Galaxy... la Team Plasma est un peu spéciale. Est-ce que ce serait pas leur bateau? Bon, y a pas de signe de Team Plasma dessus. Mais bon, ok, pourquoi pas. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Bienvenue à Volucité et à son rallye découverte. C'est la première fois que tu mets les pieds dans cette ville. Bien, te tireras comme sur des roulettes avec cette bicyclette. Ah, parfait, incroyable. On reçoit la bicyclette. Les règles du rallye découverte sont simples comme bonjour. Il suffit d'adresser la parole au bouffon d'un des lieux désignés.
et tu participes seulement si tu as envie. Les lieux à visiter sont le bureau des médailles, le bureau d'enquête en compte et la baston SARL. Va sur la belle bicyclette que je viens de t'offrir et découvre notre ville. Ok, bon ça c'est cool. Alors je vous avoue que je connais un petit peu Noir et Blanc. Par contre, Noir 2 et Blanc 2, c'est vrai que je les connais beaucoup moins parce que l'histoire est un petit peu différente sur certains aspects. Et du coup, c'est plutôt intéressant. Bon, je pense que ça suffit, on va juste mettre la bicyclette en truc enregistré. Hop, très bien. Alors, il a dit le bureau des médailles, le bureau... Alors, Volucité, je connais, hein, parce que bah, la ville, c'est globalement la même. Dans les deux, il me semble que là, c'est un des trucs qui nous a parlé. La baston SARL. Ah, c'est très bien. Et en plus, je pense qu'on va peut-être pouvoir faire des combats ici, je sais pas. Ah, il y a un bouffon ici, en tout cas. Oh, les gens qui travaillent dans ce bâtiment ne font pas s'affronter des idées, mais des Pokémon. Ils ont l'air assez balèzes, alors fais attention, surtout si tu comptes monter. Tiens, voilà pour tes Pokémon. Oh, le multi-expérience! Oh, très bien ça. C'est le multi-expérience. Un Pokémon qui le tient gagne de l'expérience même quand il ne participe pas au combat. C'est très utile pour faire progresser les Pokémon encore trop faibles. Je suis le joyeux nettoyeur et je veux que tout soit étincelant. Dans mes souvenirs, je me demande si c'est pas lui le patron de ce truc-là, ou genre le dernier dresseur qu'on affronte. Ok, et ben à ce moment-là, je vais le donner à Vipelliard, comme ça il gagnera de l'expérience encore plus vite, et ça c'est plutôt cool, le multi-expérience qui est juste ici. Très bien. Parfait, bon à la base, nous, fait qu'on aille parler, hop, c'est parti pour le rallye découvert de Policité. Les bastons SARL, c'est fait. Très bien. Est-ce que je ferai pas les bouffons avant? Et on s'occupera... Alors, hop, voilà, j'ai dit la petite bicyclette. Je crois que... Voilà, j'ai dit, il me semble qu'il y avait un deuxième bâtiment qui était par là. Hop, ah, je peux pas lire, par contre. Le bureau d'enquête, voilà. Très bien, et bah allons-y. Le bureau d'enquête, tiens, il est juste là. C'est parti pour la découverte de Vélocité. Le bureau d'enquête rencontre, c'est fait. Très bien. Et donc, du coup, le dernier bâtiment, c'est quoi? Il y avait le bureau de rencontre, il y avait la SARL, et il y avait le bureau de... Je sais plus quoi. Je ne sais plus ce que c'était le dernier bureau. Parce que là, on ressort de Volucité par là. Ok. Alors, attends. On va essayer d'aller voir. Je me souviens plus du tout. Ah, c'est quoi ce bâtiment-là? Hop, je peux pas regarder. Hop. Ah, je peux pas regarder quand on est à côté. Voilà, attends. On va descendre du vélo, ça va trop vite. Game Freak! Ah non, alors ça, rien à voir. Rien à voir. Ici, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ici? Alors ça me parle cet endroit-là, il me semble qu'on y vient à un moment. C'est quoi ton émission préférée? C'est quoi ça? Je crois qu'on y vient, mais je me demande si c'est pas dans Pokémon Noir et Blanc, justement, et pas Noir 2, Blanc 2. Bon, hop, on va avancer. On va avancer, on va avancer. Ok, bon, je vais prendre une autre route, du coup, je vais prendre celle-ci. Faut qu'on essaye de chercher... Hop, qu'est-ce qu'ils veulent? Sérieux? Et ouais. Yeah. Yeah. Wow. D'accord. Très bien. Voilà. Bouh. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Ah, tu es la trouille, à vous. Bon, je sais, je devrais pas faire ce genre de truc. Tiens, c'est pour me faire pardonner. Oh, là, c'était Flash. Incroyable. Et là, il y a l'air d'avoir un petit café, là. Qu'est-ce que c'est que ce petit café? Avec la capacité Flash, tu peux diminuer la précision des capacités ennemies. Si tu l'utilises deux fois, l'ennemi n'a plus qu'une chance sur deux de te toucher. Ouais, c'est une super capacité. Moi aussi, je flash dessus. Ah, dis donc, on a de l'humour ici. Café, la mélodie du répit. Je me souviens plus de ce café, tiens. Hop, c'est des combats aussi, là? On ne savait pas sa famille, dit le proverbe. Il faut savoir s'adapter. Visiblement, le Jedi qui a dit ça n'avait pas la mienne de famille. Mm-hmm. Quand je me sens fatigué, je viens reposer ma solitude en ces lieux. D'accord, ok. Quand j'entends ce type jouer de la guitare, ça me rappelle la maison que j'ai quittée. Ma pauvre mère qui me jette en fait pleurer. Maman! D'accord. C'est votre première visite ici. Tenez pour vous. Oh bah super. Du lemme-meu. Incroyable. Pour votre Pokémon préféré. Merci de votre venue. Détendez-vous. Une belle mélodie plonge les gens dans la rêverie. Un air triste, au contraire, les fera soupirer. Tel est le pouvoir de la musique. D'accord. Donc il y a vraiment rien dans ce café au final. Enfin si, il nous donne un lemme-meu. Mais c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Ok, très bien. Eh bah, on va aller sur la dernière rue qu'on n'a pas fait, à savoir celle-ci. Je crois que c'est celle où il y a l'arène, aussi.
Oui, c'est celle-ci où il y a la reine. Ah, attends, le truc des médailles, c'est ça. Le bureau des médailles. Je vois qu'il y a une petite médaille d'affichée, là. Je crois que c'est ça, non? Attends, est-ce que c'est ça? Hop. Le test de compatibilité permet de recevoir les chococœurs. Quelle chance. Ah bah, j'en ai plein de chococœurs, mais bon. Ok. Ok, ok, très bien. Hop. Bon, bon, je suis le spécialiste, non? Ah non, 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 c'est bon, c'est bon. Attends, le truc des médailles, c'est là ou pas? Attends, je vais ressortir vite fait. C'est regarder, est-ce que c'est le truc des médailles? Je peux pas regarder. Ça a l'air d'être le truc des médailles. Il y a une grosse médaille dorée qui brille. On va aller, hein, on va aller aux étages. Voir un petit peu. Je pense que c'est là. On va aller au premier. D'abord. Ah! Il est là, il est là, il est là. Très bien. C'est parti pour le rallye découvert de Vélocité. Le bureau des médailles, c'est fait. Passe par le bureau des médailles. Bonne chasse. Mais ça y est, on a tout, non? On a tout, on a tout. Ok, et vous me donnez des médailles, vous? Vous savez quoi? Tout en vous surveillant, je vous encourage secrètement. Mais oui, même si, en tant que membre du bureau, je dois rester un juge impartial. D'accord. Écoute, on va s'en aller, alors j'ai fini le rallye. J'ai fini le rallye, où voulez-vous vous rendre? Bah, du coup, au rez-de-chaussée. Alors, est-ce qu'il faut que j'aille reparler au bouffon à l'entrée de Vélocité? Peut-être, 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 peut-être. Alors, allons voir les bouffons de Vélocité. Très bien. Hop. Alors. Bon, en tout cas, la reine était bien ici. Je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu. On peut le faire ou ne pas le faire. Le rallye découverte de Vélocité. Dis-moi, tu n'as pas encore visité. Mais tu as tout visité, en fait. Ce qui veut dire que tu as complété toutes les étapes du rallye découverte. Bravo. Et voici un beau cadeau pour célébrer cet événement. Un super bonbon, d'accord. Oh, c'était juste ça. Bon, j'aurais peut-être pas fait si j'avais su. Le rallye découverte qui fait croître chaque jour le nombre des amoureux de notre belle Vélocité. C'est pour cela que nous commençons par offrir généreusement une bicyclette en cadeau. Allez, aime Vélocité, toi aussi. Volu, volu, Vélocité, c'est toi, ma cité adorée. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Bon, du coup, alors, attendez, on était avec Mathis, nous, on cherchait un bateau. Donc, on va se regarder sur les ports. Bon, là, il y a un bateau, mais je pense que c'est pas ça. Bonjour, ce bateau est à destination de la Tour Union. D'accord, donc, non, rien à voir. Rien à voir, rien à voir. Ici... Hop, est-ce qu'il y a Matisse quelque part? Bon, il y a encore un bateau, là. Il y a des bateaux partout, décidément. Comparé à un paquebot de luxe, c'est un tout petit bateau. Mais le plaisir de parcourir la mer n'a rien à voir avec la taille du navire. Vous voulez partir sur l'île Liberté? Non, pas pour l'instant. Hop, suffit de venir me parler. Ah bah, on reviendra un autre jour. L'île Liberté, je me souviens plus de tout ce qu'il y a. Donc là, on a vu... Là, c'est là où on est arrivé. Et il me semble qu'il y a un dernier quai, ici. Non, celui-là, c'est celui... Ah non, ça, c'est encore autre chose. Ah, ça, c'est l'étoile du Nice, ça, je crois. Paysage de rêve, au menu de votre croisière, l'étoile du Nice, l'embarquement ne coûte que 1000. Oh oui! Allons-y, embarquez. Voulez-vous éteindre votre ségir? Oui. Ok. Let's go. En plus, ça, je crois qu'il y en a pas toutes les heures, donc c'est plutôt cool si on peut le faire. Oh, il y a des combats à faire ou pas? Merci de votre présence à bord de l'étoile du Nice. Nous avons aujourd'hui à notre bord des dresseurs, au nombre de 7. Profitez de votre croisière. Oh. Alors ça m'intéresse, tiens. Si on peut faire un petit peu d'expérience. Bon, on va pas profiter du voyage. Mais si on peut faire les petits dresseurs, je dis pas non. Je dis pas non, je dis pas non. Histoire d'XP un petit peu. Que faire, profiter du pont ou bien se battre dans les cabines? Comment se décider? Ah d'accord, donc les dresseurs sont dans les cabines. Allons les voir. Installe-toi, je vais faire du thé. Ah, oh, c'est une bonne blague. Je suis un dresseur et je vais t'accueillir un coup de Pokémon. Très bien. C'est parti. Bon, bah on va faire les petits combats, là. Hop. Généralement, dans les bateaux, dans Pokémon, il y a des combats à faire. Hop. Ok, poncher niveau 17. Ouh, je pense qu'on va bien XP, là. On va bien XP si on arrive à faire nos combats. Hop, par contre, j'espère qu'on peut se soigner quelque part. Peut-être en parlant à un des marins. Certainement, certainement. Hop. Bon, bah c'est parfait, là. Une petite séance de... Petite séance de bateau. Avec des petits combats à la clé, ça fait plaisir. Oula, voilà, voilà, attention, 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 attention. Ok, oh, hyper potion, ça balance l'hyper potion. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, mais il a fait bélier, il s'est blessé, mais... Oh, j'ai baissé sa précision. Le problème, c'est que là, il va me mettre KO. Il va me mettre KO. Ah bah, les meumeux, tiens, qu'on a récupéré. Oh, attends, les meumeux, ça fait un peu cher, quoi, d'utiliser un les meumeux pour ça.
La potion... Vas-y, on va utiliser la potion. Hop, j'espère qu'on peut se soigner hein, à un endroit, parce que j'avoue que j'ai pas tant de... Ok, bélier. Ouh la vache. Techniquement, je suis plus rapide que lui, je peux peut-être essayer. Ok, vas-y. Oui, c'est passé. Ok, j'ai vu qu'il avait qu'un seul Pokémon, c'est pour ça que je me suis permis ça. Ok, très bien. Hop, un combat fascinant. Oh, il est l'heure du thé. Ouais, bah... Est-ce que je peux dormir dans ton lit, là, non? Non, alors par contre, j'ai vu qu'il y a une dresseuse juste à côté. Est-ce qu'on peut, si je parle à toi... Aujourd'hui, la dresseuse invitée, vous en avez défait un, nous sommes en pleine croisière, vous ne pouvez pas revenir sur la terre ferme? Non? Est-ce que je peux me soigner? Vous pouvez accéder à votre célèbre pompe panoramique. Ok. Dans la cabine à porte bleue, il me semble que nous avons deux dresseurs aujourd'hui. Est-ce que je peux me soigner quelque part, en fait? Est-ce que je peux me soigner quelque part? Non, parce que en fait, le problème, c'est que si je rentre dans une chambre et qu'il y a quelqu'un, c'est un petit peu la galère. Alors, toi, tiens. Hop, ce bateau gigantesque, difficile de trouver les dresseurs, mais j'ai une astuce, voulez-vous la connaître? Oui. Aujourd'hui, dresseur à bâbord, 4, dresseur à tribord, 3. Mais, y a pas de soigneur? Nous avons des clients qui restent à discuter dans leur cabine jusqu'à ce que la sirène retentisse. On peut pas se soigner? Oula! Oula, ok, ça a sonné. Parce que là, c'est un peu compliqué d'aller faire des combats. Moi, je veux bien essayer, hein, mais... Bonjour. Premier coup de sirène, veut dire bonjour, ravi de nous avoir parmi nous. Le deuxième, encore un jour de parfait beau temps. Le troisième, le quatrième, j'espère que vous apprécierez le voyage. Le cinquième, merci pour tout, à bientôt. Si t'imagines que c'est le bateau qui te parle, la sirène est plus supportable. Ah. Ok. Et où est ma... À la limite, où est ma cabine à moi? Si je peux aller me soigner dans ma cabine... Là, on y a été, je crois qu'il y avait une fille. Ah. Où est ma cabine? Est-ce que ce serait pas celle-là, vu que lui, il est à côté? C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Je dois bien avoir une cabine, moi. Ah, mince. Mince. Où est ma cabine? Ou alors, est-ce qu'il y a un lit dans lequel je peux dormir? Le problème, c'est qu'elle m'attend, là. Est-ce qu'il y a un lit? Est-ce qu'il y a un lit de libre? Ah, mais il y a plein de gens, en fait. Dans toutes les cabines, il y a des gens. Après, c'est peut-être pas tous des dresseurs, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Ah, par contre, par là, peut-être. Ah, mais il n'y a pas de lit. Bah, je peux essayer le combat, mais ça va être compliqué, quoi. Est-ce que j'y suis allé, là? Je sais plus. Bon, on va essayer. Hop, Didi, en bateau, j'ai attention qu'ils montent, pas toi, attention, à tel niveau que je suis déchaîné à fond, ils m'ont enfermé ici, je reste là, je leur laisse-moi sortir. Vas-y, sors, moi je vais me soigner là, Ok, ouais, donc en fait, lui c'est pas un dresseur par exemple, on va faire un autre. Que faire, profiter du pont panoramique, ouais, ok, très bien. Toi tu dis quoi? Je peux courir en étant sur l'eau, c'est un miracle. Ouais, enfin, oh, il s'est pris pour Jésus lui ou quoi? Hop. Tu veux te battre contre moi, tu sais à qui tu t'adresses, là? Oh, ma Pokéball, je l'ai oublié à la maison! Ah bah non! Oh, puis par contre, les sirènes ont retenti, là. Hop. Ah, en fait, il y a tout le monde dans sa chambre, mais tout le monde veut pas se battre. T'as gagné quoi? Un combat! Ok. Let's go! On va essayer de faire les combats, hein, mais j'avoue que... Ouf, plus à deux Pokémon. Magnéti. Bon, au moins, ça va pas être très efficace, mais un peu galère, hein. Un peu galère. Hop, on va se soigner aussitôt. Bah du coup, je vais l'utiliser, hein, mon lémeumeu. Parce que sinon... Sinon, je ne peux pas faire de combat, ça c'est sûr. Ok. Bombément. Bon, on va résister. Ouf, voilà, ça fait des gros dégâts quand même. Allez, Phytomixer, let's go. Mais ça va pas être très efficace contre Magnéti. Ah ouais, non, ça fait rien du tout, en fait. Ouais. Ça va être très compliqué, là, la paralysie, on va faire charge, hein. Là, je pense que, de toute façon, ça sert même à rien que je me soigne, parce que, de toute façon, je ne peux rien faire contre le... Ouais, d'accord, super. Super, je peux rien faire contre le Magnéti. Dommage qu'il n'y ait pas de mec qui se soigne. Parce que là, bah, en plus paralysé... Ah là 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 là. Et par contre, je crois que j'ai fait une petite bêtise.
C'est que je suis pas passé au centre Pokémon de Volucité. Donc j'ai peur de revenir... Où est-ce qu'on va revenir? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va revenir à Volucité ou est-ce qu'on va revenir à Onde-sur-Mer? Dans ce cas-là, il va falloir reprendre le bateau. Hop. Bah dis donc, quel accueil, Volucité, hein? Eh ben oui, on est à Onde-sur-Mer, du coup. Ah là là, bah super, Volucité, hein, la capitale, c'est pas pour nous, hein. C'est pas pour nous, la capitale. Hop, voulez-vous rendre à Volucité? Oui, tout à fait. Tout à fait. Eh ben, on reprend le bateau! Allez, donc, on en a pris des bateaux aujourd'hui. On a pris un pour venir, on a pris un pour faire un tour à l'étoile de Nice. Et on a repris une deuxième fois ce bateau-là. Incroyable. Bon! Eh ben, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au centre Pokémon. Hein? Pour sauvegarder le fait que je me suis arrêté à Volucité. Ah, forcément, il y a quelqu'un. Hop, c'est pour saigner votre équipe. Oh, je suis désolé. Connaissez-vous Géonette? Oui, c'est le truc en ligne. On va dire oui parce que bon, ça nous intéresse pas trop. Vous connaissez Géonette, vous êtes incroyable. Mais bon, laissez-moi vous dire comment devenir plus incroyable encore. Vous pouvez rechercher l'endroit où vous habitez et l'enregistrer dans Géonette. Très bien. Eh ben, on va pas le faire. On va pas le faire parce que ça m'intéresse pas spécialement. Vu qu'on est en let's play et qu'on n'est pas à jouer en ligne. Hop. Merci d'avoir attendu, les Pokémon sont en forme, à bientôt. Et lui, là, les médailles? Je t'attendais, mes plus chaleureuses félicitations, voici une nouvelle médaille. On a eu la médaille cycliste débutant. Ah, et encore une autre. Vas-y, oh, une rouge. On obtient la médaille graine de héros. Oh, magnifique. Ok, et des médailles indices. On reçoit 4 médailles indices, très bien, je t'ai donné tout ce que j'avais comme médaille indice. Parfait, voilà, la collection des médailles s'agrandit. Très bien. Bah à la limite si je veux faire des combats, parce que bon c'est payant hein, donc le truc là, donc on va peut-être éviter. On va peut-être aller au truc de baston hein, que je voulais faire tout à l'heure. Au final, on va peut-être aller faire ça parce qu'au moins là je pourrais retourner au centre Pokémon entre chaque. Alors, bah on va aller au 46. Allons à l'étage 46 dans un premier temps. Hop. Alors bonjour, tu es en visite d'entreprise, dans ce cas un petit combat. Allez, petit combat. Petit combat, j'espère qu'ils n'ont pas des Pokémon un peu trop galères. Hop, un Kanos, super. Un type feu face à mon type plante. Ok, intimidation en plus, super. Ouais, faudrait peut-être que je chope de nouveaux Pokémon en passant. Parce que sinon... Sinon, ça risque d'être un petit peu galère. J'avoue que là, contre le Kaninos, encore une fois, je sais pas ce que je vais faire. Hein. Je peux faire gros yeux. Je peux essayer gros yeux. J'espère qu'il a pas d'attaque feu, mais je suis quasiment sûr qu'il a flamèche. Hein. Je pense qu'à un moment, il va me sortir un flamèche, ça c'est sûr. Hein. On va essayer gros yeux. Ok, je vais peut-être... Je vais voir ce qu'il va me faire. Ah bah voilà. Oh, j'ai esquivé, c'est notre coup de chance. Je le refais une troisième fois, gros yeux. Ok, il a moins 3 en défense. Ok, rate ton flamèche. Ok, il m'a fait gros yeux aussi. C'est pas terrible, parce que dès qu'il me touche, ça veut dire qu'il va me faire très mal. Et du coup, alors Phytomixer, c'est quoi? C'est spécial, c'est ça. Mais on a baissé sa défense, donc je vais plutôt faire Fouillane. Ok, ah, c'est pas tant que ça, hein. C'est pas tant que ça. Flamèche. Oh la vache. Ok, on peut en tenir que 2. Malheureusement. Ok, ça c'était très bien joué. Vas-y. Pas très efficace, Flamèche. Tiens-le. Ah, dommage, on avait presque réussi. Ah non, mais c'est fou, on n'arrive pas à nos combats, hein. Je pense que il va falloir certainement aller chercher un nouveau Pokémon, hein. Parce que là, de toute façon, pour l'arène, il va nous en falloir un. Hein. Parce que je pense pas que Vipelier va nous être d'une grande utilité, en tout cas. Donc on va aller chercher un nouveau Pokémon. Alors, où est-ce qu'on va aller? Soit on va dans la zone d'avant, mais la zone d'avant, en fait, je la connais, c'est une forêt. Donc on va rechoper un type plante ou un type insecte. Ce qui va pas nous être très utile, je vous l'avoue, pour l'arène. Donc en fait, je vais plutôt aller dans la zone d'après, où il y a des types de Pokémon un peu différents, et notamment, il peut y en avoir certains qui vont être intéressants pour l'arène. Donc on va plutôt aller un peu plus loin, si on peut, parce que j'espère qu'on n'est pas bloqué par le jeu comme ça. Ah!
Eh oh! J'ai dû courir dans tous les sens pour te rattraper. Je voulais te donner quelque chose. Tiens, un cherche-objet. Ah, magnifique. On va pouvoir trouver tous les petits objets cachés, là. Hop, merci. Avec le cherche-objet, tu peux... Mince, j'ai un doute. Ah oui, tu peux trouver des objets cachés qu'on ne peut pas voir normalement. Génial, hein? Comme ça, en cherchant des Pokémon, tu peux aussi trouver des objets. Sur ce, bon courage. Oh, mais j'avais encore oublié quelque chose. Si tu utilises beaucoup les cherche-objets ou la liste des habitats, tu peux enregistrer un raccourci. Comment on fait? Mince, j'avais pas prévu cette question. Je crois que j'ai un livre qui en parle. Voilà. Appuyez sur le bouton Y pour appeler d'une pression ce qui a été enregistré. J'espère que tu auras compris. Ça a l'air simple, non? Bon, à plus. Ne t'en fais pas, je l'ai déjà fait. Bianca, j'ai déjà la bicyclette. Ah, attends, je parle juste à lui. Le rallye découverte qui fait croire chaque jour à un nombre de diamants et notre belle visite, c'est pour ça que nous commençons à offrir généreusement une bicyclette en cadeau. Ah, mais en fait, celui-là, c'est celui qui était à l'entrée, quoi. Très bien. Oula, mais il y a encore des dresseurs, là. Alors, lui, du coup, il y a peut-être moyen que, quand il marche le sable, regarde bien de quelle couleur il est. Il est plus ou moins foncé, non? Pokémon se cache dans le sable foncé. D'accord. C'est une dresseuse, elle? Attends, je vais essayer de passer là. Oh, c'est bon, je suis passé là. Alors, attends, est-ce qu'on peut aller par là? Oui! Ok. On va essayer. Bon, déjà, je vais descendre de mon vélo. On va essayer de regarder s'il y a des Pokémon. Ici. Parce que là, il nous faudra un Pokémon. Ah, c'est exactement lui ce que je pensais. J'allais dire, il me faudra un Pokémon de type feu, idéalement. Pour, bah, justement, un peu s'opposer à notre type plante. Parce que là, sinon, c'était un petit peu galère. Bon. Alors, par contre, faut pas que je meure, encore une fois. Hop, faut pas que je meure encore une fois. Oh là là, le problème c'est que je ne fais rien en dégâts. Et que lui il fait ultra mal. Oh non! Ah, je peux essayer une boule, mais on va essayer une super boule, hein. Oh, c'est compliqué. Hop. Allez. 1, 2, 3. Oh non, il s'est libéré! M'attaque pas! Ah, résiste! Oh! Un PV! C'est le PV de l'espoir! Allez, rentre, s'il te plaît! Rentre, parce que sinon... Sinon, ça va être une galère. Oh non! Il a ressorti direct! Fais une attaque qui me fait pas mal! Oh, il avait gros feu, en plus! Oh non! Mais comment on va faire? C'est compliqué, ce challenge! C'est compliqué! Ok, bon, on retourne au centre Pokémon. Très bien. Ah non, c'est exactement ce Pokémon là que je voulais, Darumaron. Je savais qu'il était dans la zone. Je pense qu'il nous faudrait ce Pokémon pour un petit peu compléter notre équipe. Et notamment pour l'arène, il serait très utile. Parce que bon, je vais pas vous mentir, l'arène, c'est une arène de type insecte. Voilà, donc autant dire que mon type plante, encore une fois, ne va pas être très utile. Mais du coup, un type feu serait bien utile pour cette arène. Donc c'est pour ça que potentiellement j'aimerais bien réussir à le choper. J'avoue que ça m'aiderait grandement. Et j'avais zappé que j'avais esquivé ces deux dresseuses. Eh ben c'est pas grave, on va essayer de faire le combat. Voilà, deux Pokémon. Rototo. Ah, bon, c'est un type sol, donc déjà ça devrait être un petit peu mieux. Ça devrait être un petit peu plus simple, je pense. Va faire Phytomixer. Pour moi, il n'est pas encore de type acier. C'est son évolution qui est de type acier. Lui, il est que type sol. Donc, ok, parfait. Ça devrait être un peu plus efficace. Voilà. Eh ben, dis donc, ça fait combien de temps qu'on n'a pas réussi à mettre que un Pokémon? Parce que... Ah oui, je crois qu'on dans le bateau, dans l'étoile du Nice, on a réussi à mettre KO le premier dresseur. Mais on a raté contre le deuxième, après on a raté contre le Caninos dans la tour de combat, là. Hop, parfait, niveau 17. Oh, il y a un Marill. Oh, bah très bien. Très bien, deux Pokémon sur lesquels j'ai un avantage. On a vraiment de la chance, là, pour le coup. J'aurais dû la faire, la dresseuse, parce que là... Là, j'avoue que... très intéressant. Ok, et par contre, Vipelien, il esquive plein d'attaques à chaque fois, là. Comment ça se fait qu'il arrive à esquiver autant d'attaques? C'est fou, ça. C'est fou. Ok, bon, c'est pas mal. On a réussi à la battre, elle. C'est très... Oh! Même c'est vrai qu'il avait toujours pas évolué. Ah! Alors, profitez bien de cette séquence, parce que dans le let's play, techniquement, il y aura que deux évolutions. Celle-ci,
et celle où il évoluera dans sa forme supérieure, parce que tous les autres n'ont pas le droit d'évoluer. Dans notre première évolution, du coup, c'est Vipélière en Lianaja. Ah, mais oui, c'est vrai qu'il était niveau, bah ouais, 16-17, donc c'est ça. Ah, mais ça va peut-être nous aider un petit peu pour les combats à venir, là. Parce que j'avoue que, du coup, là, c'est un petit gain de statistiques quand il évolue. Allez, on cherche encore un petit Darumaon. Ah, bah, on n'est pas tombé sur Darumaon. On est tombé sur Mascaïman. Eh ben, écoutez, on va essayer de le capturer aussi. De toute façon, on est un peu obligé d'essayer de le capturer. Ah, il est stylé, en plus, Lianaja. Oh, très bien, il est dans le orange. En tout cas, ça se passe un peu mieux. Et lui, je pense qu'il a moins d'attaques qui peuvent être très efficaces sur moi. Donc, à la limite, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Coup critique. Ah, c'est un coup critique, ça, d'accord, ok. Je suis piégé par le tourbissable. Ok, bon, on va essayer de faire en sorte de ne plus être piégé. Ok, on va tout simplement essayer d'attraper. Par contre, faut que j'attrape des Pokéballs. Enfin, faut que je rachète des Pokéballs. Et je crois que c'est pas la première fois que je me le dis. Allez, let's go. Let's go. Alors, Mascaïman pour l'arène. Pas spécialement efficace, mais... Voilà, on aura toujours un deuxième Pokémon. Donc ça va être plutôt cool, déjà. Ok, Pokémon Crocosable. Il vit dans le sable des déserts, le sable chauffé par le soleil le réchauffe et le cache à la fois. Très bien. Donner un surnom au Pokémon Mascaïman. Eh bien oui, nous allons lui donner un surnom. Et du coup, le premier d'entre vous à avoir sur son surnom, pardon, pour eh bien la troisième arène, eh bien ça va être Gamerstone. Hop, voilà. Gamer. Hop, et une petite majuscule pour le S. Voilà. Gamerstone. Ah, pourquoi ça me remet en bas à chaque fois? Ah, c'est parce que c'est le raccourci. Ok, très bien. Hop, N et E. Et bah, ça rentre pile poil. Hop, c'est vrai que j'avais pas revérifié, mais oui, effectivement. Ok, alors. Bon, du coup, c'est bien. On a un deuxième Pokémon. Après, je vous avoue que je suis pas sûr qu'il va être très utile pour la deuxième arène. L'arène, comme je disais. Monte l'attaque quand il met un ennemi KO. Oh, par contre, ça peut être très très bien. Si on arrive à mettre KO un Pokémon. Et du coup, je vais essayer de rechoper le Darumaon de tout à l'heure, parce que techniquement, eh ben, on l'a croisé, donc on aurait dû l'avoir. Mais bah, j'ai pas réussi à le choper. Et par contre, oh! Alors, je savais pas qu'il y avait des Miamiasmes ici. Ok, très bien. Miamiasme. Ok. Alors après, en fait, est-ce que j'essaye de retrouver le Darumaron au risque de trouver plein de Pokémon à côté que du coup je suis obligé d'attraper? Ou est-ce que on essaye d'y aller avec Mascaïman et Miamiasme? Je ne sais pas. Ok, il a Pic Toxique, il a Recyclage, j'ai vu. Ok. Allez. Ok, très bien, il est dans le orange. Bon, de toute façon, je vais pouvoir le capturer, ça c'est sûr. Enfin, si j'y arrive, mais bon, normalement, il est dans le orange. C'est pas un Pokémon très compliqué à capturer, normalement. Hop, je pense qu'on peut y aller à la Pokéball. Ok, et au moins, j'aurai un peu plus de Pokémon pour essayer d'affronter Darumaron, si jamais. Ok. Très bien, bon. Au moins, on a un troisième Pokémon sur l'équipe. Enfin, dans l'équipe, plutôt. Hop, Pokémon sac poubelle. Il suit les humains sales à la recherche de nouveaux déchets. Il rôde souvent, libérant un gaz toxique. D'accord, il suit les humains. Quoi? Ok, et bah oui, on va lui donner un petit surnom. Et donc, ce Miamiasme va s'appeler... Hop, le prochain d'entre vous. C'est donc Yoshu qui va avoir son nom. Et du coup, je vous rappelle que si vous voulez votre nom, il suffit d'aller dans l'épisode 1 du Let's Play et de dire simplement que vous voulez être un Pokémon, et les inscriptions sont encore ouvertes. Très bien. Alors du coup, qu'est-ce qu'il a comme attaque? D'ailleurs, Gamerstone, on n'avait pas regardé non plus ses attaques. Morsure, Jet Sable, Tourmente, Tourbissable, ok, pas mal. Ah, il a Bombe Acide, je crois que c'est... Ouais, ok, c'est pas mal. Torgnol, mon recyclage... Pas très utile. Pic Toxique, ça peut... En vrai, Pic Toxique, t'arrives, tu me Pic Toxique dès le début, comme ça, ils sont tous empoisonnés. Ça peut être sympa. Je vais mettre Gamerstone devant, parce qu'en fait, si je retrouve un Darumaron, je pourrais lui faire une petite attaque de type Sol. Hop. Et ce sera plutôt intéressant, je pense. À moins qu'on retombe... Ah, ok. Petit Darumaron.
Petit Daru Marron. Ok. Bon, là, on a 3 Pokémon. Donc, je pense que, même s'ils sont pas très... Alors, Turbisable, le truc, c'est que j'ai envie de dire, j'ai peur qu'il meure de Turbisable, parce que c'est super efficace, et qu'il va se prendre des dégâts à chaque tour. Ok. Bah, on va essayer de le capturer comme ça, hein. Bon, je m'en doutais que Gamerstone allait mourir derrière, mais c'est pas grave, parce qu'au moins, là, on a réussi à bien l'affaiblir. Donc ça va être plutôt cool. Ok, je l'affaiblis pas plus que ça, parce qu'avec le Turbisable, du coup, il va reprendre des dégâts à chaque tour. Ah, quoique, non, vu que du coup, il a été tué. Ok, bon, c'est pas grave. Allez, Pokéball, let's go. Ah, lui, pour le coup, Darumaron, je pense que c'est le Pokémon qui peut vraiment nous aider grandement pour l'arène. Allez. Allez, on y croit. Oui! Parfait. Bon, bah, ok. Ça risque d'être un peu plus simple, du coup, l'arène. Je pense... Très bien. Pokémon Daruma, quand il dort, ses pattes se rétractent et les flammes qui brûlent à 600 degrés dans son corps s'apaisent. Très bien. Ok, bon bah en tout cas c'est plutôt cool, c'est qu'on se refait une équipe justement pour l'arène. Parce que c'est vrai que du coup on a fait les événements avec la team Plasma, mais que c'était un petit peu galère parce qu'on avait que Vipelia. Alors du coup le prochain, eh bien c'est Donuts. Donc il va s'appeler Donuts, ce petit Daru marron. Hop, qui va certainement grandement nous aider pour l'aventure, qu'on se le dise. Ok, bah écoutez, je pense que on va pas forcément aller plus loin. Nous, en tout cas, on va revenir à Volucité. Bon, Volucité qui a été quand même un petit peu cruel en termes d'accueil. Parce que on est mort une fois à la tour de Baston là. On est mort une fois à l'étoile du Nice. Donc ouais, un peu galère à appréhender cette ville. Mais bon, on a quand même eu une bicyclette, ce qui est quand même le point grandement positif du jour. Et notre équipe qui du coup s'est un petit peu formée. Donc je pense que déjà, je pense qu'on va passer au centre Pokémon. Mais je pense que surtout, on va rester avec cette équipe pour l'arène. Parce que si je recapture des Pokémon, ce seront des Pokémon que je ne pourrai pas capturer pour la suite. Donc là, on a un Pokémon de type feu qui, je pense, va nous aider pour l'arène. Et d'autres qui peuvent aussi nous aider, les pics toxiques, on a le Turbisable, ça peut être très utile également. Donc je pense qu'il y a moyen de faire l'arène avec cette équipe-là, et je pense que c'est ce qu'on va tenter. J'essaierai peut-être de un peu les monter de niveau, un petit peu... Dianaja est 17, j'aimerais bien peut-être le monter 18, et puis à ce moment-là, peut-être tout le monde 18, ça pourrait être cool, histoire qu'ils aient tous un petit peu du niveau. Donc je pense que je ferai ça, j'essaierai de les monter niveau 18 tous, et puis comme ça, la prochaine fois, on pourra certainement tenter l'arène de Volucité, qui est une arène de type insecte, comme je le disais. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce en l'air, et on se retrouve eh bien très bientôt pour la suite de notre aventure. On va essayer également de retrouver la team Plasma, parce que du coup, je sais pas trop où ils sont. Mais sur ce, je vous dis à bientôt. Bye tout le monde!